Comment interpréter les signaux de trading et les retranscrire sur son MT4? Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier et Chien, nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaque, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Oui, vous êtes nombreux à me demander comment on fait lorsqu'on a un signal de trading à les mettre sur son MT4 personnel, sur son broker personnel, pour prendre le trade. Je dois te préciser, bien sûr, qu'il s'agit ici de trading et que le trading comprend des risques. Tu peux gagner de l'argent comme tu peux perdre de l'argent ou tout ton argent. Et première chose à savoir concernant les signaux de trading, c'est qu'il faut les prendre assez rapidement. Si tu as un signal de trading, cela ne sert à rien de le prendre dans une heure, puisque l'analyse du signal est faite au moment même, donc il faut le faire assez vite afin de rentrer dans le point d'entrée initial du signal et de profiter de la tendance analysée. Je vais donc te montrer l'exemple d'un ancien signal et je vais le placer avec évidemment les chiffres du moment, parce que comme c'est un ancien signal, je ne saurais pas le faire sur le cours actuel du moment quand je tourne la vidéo, bien sûr, mais c'est sur un compte démo que je te le montre. Je te montre simplement comment faire pour le prendre. Je ne dis pas qu'il faut prendre celui-là. De toute façon, c'est un ancien. Donc tu ne tiens pas compte des chiffres. Tu prends simplement l'explication de comment faire les stop loss, les take profit et comment rentrer dedans. Donc tu vois ici, IS/AU/USD, il s'agit de la paire or dollar. Buy, il s'agit de l'acheter. Si c'était une vente, il dirait sell, SE2L. Et il dit l'entrée à 1787,5 à ce moment-là. Et il dit le premier TP est à 1789,5, le deuxième TP à 1792,5 et le troisième TP, donc take profit, où tu dois clôturer ton trade à 1797,5 et placer le stop loss ici dans ce cas-ci à 1780. Il y a différentes façons de prendre un signal. Quand tu vois le signal, évidemment, quand tu es sur quelque chose de signal, sur ton Telegram, il faut mettre les notifications parce que sinon, ça ne sert à rien de le faire, comme je te dis, une heure après et encore pire, plus tard. Lorsque tu reçois le signal, tu regardes si tu es bien dans cette tranche-là. Donc si tu es à 1787,4 ou 1,6 par exemple, c'est pas grave, il est toujours bon. Les différentes techniques, tu le prends et alors tu mises de prendre juste le premier TP par exemple. Et alors là, tu te dis, bah, je mets un plus gros lot. Suivant ton money management et ton capital de départ, évidemment, donc cela, tu le gères toi-même et tu choisis combien tu mets. Et évidemment, tu peux tout miser sur le premier TP ou alors tu peux laisser courir et prendre les autres TP. Plutôt, essayer de prendre les autres TP parce que ce n'est pas parce que c'est inscrit que cela va se passer. Le trader peut se tromper et le marché peut se retourner et donc aller toucher le stop loss, donc tu perdrais de 1787 à 1780 en fonction de la quantité de lot que tu as mis, bien sûr. Allons maintenant sur mon MT4, sur la paire or-dollar. Donc voilà, nous sommes sur la paire or-dollar. Ici, tu vois, or-dollar, on est en M15, n'importe, tu te mets en M15 ou en M5, c'est comme tu veux. Ici, il y a différents indicateurs, tu ne tiens pas compte de ça. J'essaie des différents indicateurs, etc. Donc, ce n'est pas ça l'important. Tu as ici une petite flèche où tu peux appuyer dessus et tu vois le sell et le buy qui se mettent. Je ne sais pas si ça passe sur la vidéo parce que c'est une fenêtre sur une autre fenêtre. Mais de toute façon, ici, tu as sell et tu as buy et tu as un chiffre 0,01 que tu peux l'augmenter parce que 0,01, c'est le minimum. Ou si c'est un plus gros lot, tu peux le diminuer. Ou tu peux taper directement le chiffre que tu veux. Moi, je te conseille avec un capital de départ de 1000$ de commencer avec des lots de 0,01. Dans ce cas-là, ici, c'était buy, donc il fallait l'acheter, le signal était bien d'acheter, tu vois, buy. Tu te mets sur ton MT4, tu regardes si tu es bien à ce chiffre-là. Ici, évidemment, on n'y est pas parce que ce n'est pas la cotation du moment. Tu fais buy, voilà, tu as ton trade qui est ouvert ici. Tu le vois dans ton tableau de bord ici. Et alors, tu cliques droit sur ton trade. Tu fais modifier ou annuler l'ordre et tu as une autre fenêtre qui apparaît. Je ne sais pas si tu la verras, la fenêtre qui apparaît, parce que c'est aussi également une fenêtre qui se met sur une autre fenêtre. Dans cette fenêtre-là, tu sais placer ton stop loss et ton take profit.
tu retournes sur ton Telegram. Sur ton Telegram, tu vois que le stop loss est à 1781. Tu places ton stop loss à 1781. Dans ce cas-ci, disons à 1545, par exemple. 1745, pardon. Et le take profit, on est à 1750, disons à 1751, par exemple. Tu appuies sur modifier et tu vois que ton trade est modifié ici en dessous. La ligne en bleu, c'est ton trade ouvert qui a été pris à 1750. Le stop loss est mis à 1745 et ton take profit à 1751. Comme tu as un take profit et un stop loss, tu peux fermer ton MT4, ne plus regarder pour ne pas que ça devienne une source de stress à regarder toutes les 5 minutes si ton trade est pris ou pas. Si tu vois ici par exemple en démo, il est déjà gagnant. Il est à 0,21, tu n'es pas obligé d'attendre qu'il passe le take profit et tu peux déjà le clôturer. Une autre manière de prendre les trades, c'est que tu peux mettre le TP au dernier ou ne pas mettre de TP et alors attendre d'avoir le signal que le TP1 est déjà pris. Si le TP1 est déjà pris, tu peux mettre ton stop loss à ton break-even, comme on dit, et laisser courir. Une fois qu'il passe au TP2, tu mets ton stop loss à ton TP1. S'il passe le TP2 et qu'il se dirige vers le TP3, tu mets ton stop loss à ton TP2 et de cette façon, tu couvres tes pertes en gains. Et de cette façon, alors tu recliques dessus, recliques droit, tu fais modifier ou annuler l'ordre et tu changes tout simplement soit les chiffres ici, ou tu prends ton take profit ici et tu le glisses plus haut par exemple et ton stop loss qui est ici, tu le glisses et tu le mets à ton point de départ, à ton break even et de cette façon tu as une sécurité de ne pas perdre. Ici dans ce cas-ci, tu vois on est déjà à 0,41, je peux le clôturer directement ou j'attends, je le laisse courir jusqu'à le take profit qui est placé ici. Si je le clôture maintenant, voilà, je gagne. Dans ce cas-ci, c'était 32 cents. Prendre un signal de trade n'est pas plus compliqué que ça. Tu prends les chiffres, tu les mets, tu mises tout sur le TP1 ou tu prends le risque de laisser courir vers le TP3 et tu déplaces ton stop loss à chaque fois. C'est une façon de faire. Et de cette façon, maintenant, tu sais comment prendre un signal de trading. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez! Ciao!